If your wind farm could talk, what would it say? Would it tell you it's feeling good, productive? Or that it's feeling tired or needs some backup? If your wind farm could talk, would it warn you of potential problems before they actually happen and help you discover new ways to turn wind into opportunity? Wind farms have a lot to say, and now you can listen. The future of wind farm technology is coming. Are you ready for it? We all have notified with shock the attacks from last Friday here in Paris. So let us begin the AWEA 2015 with a moment of silence to send our thoughts to those who have suffered from the horrible crime. Please rise. Je vous remercie. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont les valeurs de la France, construites par la France, défendues par la France, qui sont chères à nous tous aussi. Ce sont les valeurs qui rayonne depuis la France vers toute l'Europe, vers le monde entier. Ce sont les valeurs qui sont devenues, qui font partie du cœur même de l'Europe maintenant. Vendredi dernier, ces valeurs ont été attaquées. Je suis réellement très impressionnée par la sympathie exprimée en France, en Europe, dans le monde entier, les condoléances exprimées, la sympathie, l'empathie avec la nation française et avec la société française dans ces moments si durs. Au sein de l'EWEA, nous manifestons notre solidarité avec les victimes. Et vendredi dernier, nous avons décidé d'aller de l'avant, de procéder avec notre manifestation. Les autorités françaises ont exprimé le souhait que la manifestation ait lieu ici à Paris cette année. Nous ne pouvons pas permettre qu'un petit groupe de terroristes décide si notre secteur d'activité ira de l'avant ou non. On a des messages très forts, très importants à transmettre et ce n'est pas à eux de décider si on se réunit ou non. Chers invités, chers représentants des milieux politiques, chers collègues du secteur qui est le nôtre, mesdames, messieurs, c'est un grand privilège pour moi ce matin d'être avec vous à Paris, de prendre la parole à l'ouverture de l'EWEA 2015. La sécurité des participants à cette manifestation a été notre grande priorité. Nous avons travaillé très étroitement avec les forces de police et les forces de sécurité d'une manière large pour assurer la sécurité de tous les participants à cette manifestation. Les mesures de sécurité ont été renforcées, donc soyez rassurés de ce point de vue-là. Au sein de l'EWEA,
A, nous voulions délivrer un message de solidarité et de soutien. Solidarité et soutien à la population parisienne et aux citoyens de la France. Je vous vois ici rassemblés ce matin et ça me m'aide à transmettre ce message haut et fort. Merci d'être des nôtres. Il est important pour notre secteur d'activité que tous ensemble, on se réunisse pour confronter les défis qu'on a devant nous. Il y a des questions qu'il faut résoudre, même s'il y a des choses qui nous perturbent beaucoup qui se passent. L'activité éolienne a connu beaucoup de croissance depuis quelques années, mais ceci ne veut pas dire qu'on puisse se reposer sur nos lauriers. Non, il ne faut pas qu'on parte du principe que les choses vont se faire toutes seules. Au contraire, nos dirigeants politiques et beaucoup de nos dirigeants sont à Paris et on les remercie de nous rejoindre. Nos dirigeants politiques doivent prendre des décisions importantes dans les semaines et les mois à venir, décisions qui vont avoir des impacts profonds sur notre secteur d'activité. Donc, je vais partager avec vous les 6 priorités politiques de l'EVA. Numéro 1. Un système de gouvernance qui soit robuste. Il faut qu'on mette en place ce type de système pour que tout soit au rendez-vous concernant les cibles contraignantes pour l'énergie en 2030. Il faut des mesures pour la mise en place et la garantie de cette cible qui doit être ancrée dans une directive qui fera l'objet d'une proposition par la Commission européenne en 2016. Pour la période après 2020, les États membres doivent développer des plans d'action pour les énergies renouvelables vu les objectifs de réduction de gaz à effet de serre à long terme de l'Union européenne. Numéro 4, les procédures de permis d'autorisation au niveau national doivent être simplifiées pour permettre le déploiement efficace et économe de l'éolien. Numéro 5, il faut que des propositions législatives soient faites pour que la transition énergétique nous fasse quitter une économie basée sur les combustibles fossiles. Et numéro 6, il faut une réforme structurée de l'ETS au niveau européen pour favoriser des prix du carbone qui puissent être stables. Nous avons fait beaucoup de chemin. Ce type de manifestation doit avoir lieu pour regarder dans le rétroviseur, pour regarder les récits du passé et pour relever les défis de l'avenir. Nous étions une technologie de niche auparavant. Maintenant, nous sommes devenus une source classique ou traditionnelle de l'énergie à terre comme en mer. L'éolien fournit plus de 10% de la consommation énergétique en Europe, de l'électricité. Donc, grâce à la recherche et aux études, grâce à l'innovation, le coût de l'énergie éolienne à terre, terrestre, comme en pleine mer, le prix de cette source d'électricité a beaucoup baissé. L'éolien terrestre est la source la plus compétitive pour les nouvelles installations à ce stade. Et ici en Europe, nous avons des fabricants, des fournisseurs qui sont leaders mondiaux dans leur domaine. En fait, en 2014, 3 sur les 5 grands acteurs mondiaux en matière de fabrication de turbines et pour l'éolien étaient des entreprises européennes. En Chine, il y a bien sûr aussi des entreprises, des fabricants, mais qui se concentrent beaucoup sur leur marché interne. Et le secteur de l'éolien est un secteur d'exportation en ce qui concerne l'Europe, par contre. Mais nous pouvons aller plus loin, nous pouvons faire plus. Et chez nous, à l'EVA, nous venons de publier, nous allons publier plutôt aujourd'hui, cette brochure qui va vous montrer nos ambitions futures. Ce qu'on peut faire de plus, on peut et on doit fixer la barre très haute.
la cible de 27% minimum d'énergie renouvelable fixée par l'Union européenne se traduit en 20% de part d'électricité qui viendra de l'éolien d'ici 2030. Et en fait, c'est du business as usual, on pourrait dire. Mais aussi, il y a un scénario haut qui fixe des ambitions qui vont très loin. Et cette ambition très forte parle de 28% d'électricité produite à partir de l'éolien, des éoliennes. Et si on fait cela, il y aura 13 milliards d'augmentation du PIB de l'Europe. En plus, on produira 61 000 emplois dans le secteur de l'éolien en Europe. Donc, de se poser la question, quel est le coût de l'énergie éolienne? Ce n'est pas la bonne question à poser. C'est une question que ce n'est pas la peine de la poser, je dirais. L'électricité produite avec l'énergie éolienne est devenue quelque chose qui constitue un bénéfice économique pour nos sociétés. Et en dernier lieu, je voudrais mettre l'accent sur l'importance de cette manifestation ici à Paris, parce qu'on est en amont du COP21. Le secteur de l'éolien a une offre tout à fait unique à proposer pour résoudre les questions qui seront posées par les dirigeants politiques lors de la conférence COP21. Le secteur de l'éolien peut fournir à l'Europe une solution de migration technologique qui tienne compte des changements climatiques et d'une manière compétitive. Donc, l'Europe doit rester leader dans le secteur de l'éolien. Et j'encourage vivement tous les participants à cette manifestation à ne pas perdre de vue cette opportunité et de ne pas la laisser passer non plus, bien sûr. Nous tous, nos enfants aussi, nous regardent. Il y a 8 mois de cela, quand j'ouvrais la foire de Copenhague, je disais que j'étais très optimiste concernant notre secteur et que je croyais que l'éolien va pouvoir jouer un rôle clé en transformant nos systèmes de production d'électricité avec une source énergétique qui soit propre, fiable, en contribuant à plus de sécurité énergétique aussi et en proposant des moyens de production d'électricité qui soient compétitifs pour tous. 8 mois plus tard, nous le faisons. Nous faisons tout cela. Donc, on va utiliser les jours qui viennent pour continuer sur ce chemin, pour continuer avec notre travail si important. Et malgré les temps qui sont difficiles, j'espère que vous tous, vous partagez notre confiance et notre enthousiasme parce que l'éolien fournit beaucoup d'opportunités à nous tous. Merci beaucoup. If your wind farm could talk, what would it say? Would it tell you it's feeling good, productive, or that it's feeling tired or needs some backup? If your wind farm could talk, would it warn you of potential problems before they actually happen and help you discover new ways to turn wind into opportunity? Wind farms have a lot to say, and now you can listen. The future of wind farm technology is coming. Are you ready for it?
It is an honor for me. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter notre premier orateur pour cette table ronde. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'introduction. Je prends la liberté quand même de mentionner quelques-unes de vos réalisations. Vous êtes né à Dakar, au Sénégal. Vous êtes formé comme économiste. Vous êtes à la tête de la défense des droits humains. Vous avez été magistrate de la Haute Cour. Vous avez été conseillère politique. Mais vous êtes le plus connu parce que vous avez poursuivi une carrière en politique et vous avez gagné votre première élection en 1988. Vous avez été ministre de l'Éducation et de la Famille, des Enfants. Et maintenant, vous êtes la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Je vous invite à accueillir Ségolène Royal. Mesdames et messieurs, j'ai bien évidemment dans ces circonstances extrêmement dramatiques, merci d'ailleurs d'avoir consacré quelques instants tout à l'heure en solidarité avec le peuple français, j'ai voulu malgré tout maintenir cette participation et vous dire que ce que le terrorisme a voulu frapper en France, c'est la liberté, c'est la joie de vivre. C'est la fraternité. C'est essayer aussi de dresser les gens les uns contre les autres. Et par conséquent, nous devons bien évidemment continuer à agir, continuer à vivre et surtout continuer à préparer la conférence de Paris sur le climat. Je voudrais ici remercier les chefs d'État et de gouvernement qui, tout de suite, ont affirmé leur volonté d'être là au Bourget, maintenant dans quelques jours, à la fois en signe de solidarité, en signe de force, et aussi parce que la question climatique a quelque chose à voir avec la question de la sécurité et avec la question de l'équilibre planétaire. C'est pourquoi je suis heureuse d'être à vos côtés, Monsieur le Président de l'Association européenne de l'énergie, et puis bien évidemment vous, cher Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne pour l'Union de l'énergie, vous qui faites un travail formidable à la tête de l'Union européenne. Je salue le secrétaire d'État à l'énergie de la République fédérale d'Allemagne. Je salue ma collègue aussi, chère Marie-Christine, ministre de l'énergie et de l'environnement et du développement durable de Belgique. Et je vous salue tous, les nombreux chefs d'entreprise, les ambassadeurs de cet événement, Hans-Dietrich Kettwig, Jérôme Pécresse, Antoine Cahuzac, et vous féliciter vraiment de l'organisation de cet événement tout à fait exceptionnel qui intervient, donc je le disais à l'instant, à quelques jours du lancement de la conférence de Paris sur le climat de la COP21. Ce sommet qui va réunir tous les pays du monde, ce sommet qui doit déboucher sur un accord ambitieux de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, simplement pour protéger la planète et pour faire en sorte que vraiment à la fin de ce siècle, nous soyons en dessous des 2 degrés. Nous abordons ce sommet, vous le savez, avec les INDC des différents pays qui nous mettent au-dessus de 3 degrés. Ce n'est pas acceptable. Il doit vraiment y avoir une amélioration des contributions et cette amélioration des contributions des différents États, elle se fera avec les industriels des énergies renouvelables. Ce sont les investissements dans les filières du renouvelable qui permettront d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Vous savez que pour certains États insulaires, c'est en dessous d'un degré et demi que nous devons être, parce qu'eux, ils sont menacés dans leur survie. Eux, c'est une question de vie ou de mort. Et par conséquent, les engagements nationaux tels qu'ils ont été faits, qui sont déjà formidables, qui auraient pu imaginer, lorsque l'on voit le long chemin parcouru depuis Rio, qui aurait pu imaginer que presque la totalité des pays du monde entier, y compris les pays producteurs d'hydrocarbures, auraient manifesté leur intention de s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique et auraient fait des déclarations formalisées auprès du secrétariat des Nations Unies pour dire comment ils allaient contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Donc c'est déjà une avancée extraordinaire, mais ce n'est qu'une première étape. Et je le dis ici très fermement, ce n'est qu'une première étape et nous devons absolument améliorer ces contributions pour être en dessous des 2 degrés. Et de ce point de vue, la conférence de Paris mettra aussi en valeur des solutions innovantes, des solutions concrètes, des solutions opérationnelles et par conséquent, au sein de ces solutions, toutes les technologies de l'éolien. Ces technologies qui sont pour la plupart exposées dans le hall que nous venons de voir font partie, je le répète, de ces solutions opérationnelles. Vous le savez, plus des 2/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre viennent de la production et de la consommation d'énergie. Et par conséquent, c'est la transition énergétique mondiale avec à la fois la maîtrise de la consommation d'énergie, la baisse de la consommation d'énergie ou l'efficacité énergétique et bien évidemment la montée en puissance des énergies renouvelables qui constituent la solution à la question climatique. Et pour ça, il nous faut agir à tous les niveaux, au niveau mondial, au niveau des grandes zones géographiques et donc en ce qui nous concerne au niveau européen, mais également aussi au niveau local, puisque l'on sait que 70% des actions de lutte contre le réchauffement climatique et de la montée en puissance du renouvelable se décident et se réalisent à l'échelon infranational. Au niveau mondial, je l'ai dit, cela commence par les contributions des pays aux objectifs de baisse des gaz à effet de serre, les INDC. À vous de montrer que les solutions techniques existent, à vous de montrer qu'elles sont accessibles à des coûts raisonnables. Cela passe par la mobilisation de moyens financiers. Je pense à la mise en place d'un prix du carbone qui est indispensable pour que les énergies renouvelables deviennent plus compétitives que les énergies fossiles et pour que les investissements s'accélèrent. Je pense à la mobilisation des investisseurs institutionnels. Vous savez que la loi de transition énergétique leur impose en France un reporting sur leur exposition aux risques climatiques et sur l'augmentation de la part verte de leurs investissements. Au niveau européen également, l'accord ambitieux, conclu en octobre 2014, prévoit un minimum de 40% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un marché européen qui s'ouvre à l'horizon 2030, un gain d'efficacité énergétique de 27% à la même échéance et une augmentation pour atteindre 27% des énergies renouvelables, cela au niveau européen. Cet engagement nous place à l'avant-garde de la mobilisation pour la COP21 et constitue pour les entreprises et en particulier pour les entreprises de l'éolien une puissante incitation à innover, à investir et à coopérer. Et le moment est venu, et vous y travaillez, cher Maros Šefčovič, d'une nouvelle Europe de l'énergie qui fasse de la reprise en main de notre destin climatique le levier d'une croissance verte riche en innovations technologiques, créatrices d'activités nouvelles et d'emplois durables. Au niveau français, j'ai voulu que la France soit exemplaire pour accueillir la conférence climat. Nous avons donc accéléré les travaux sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte et pour le climat, organisé notre nouveau modèle énergétique, fixé à notre pays des objectifs volontaristes. Réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre, c'est inscrit dans la loi. Réduire de 30% notre consommation d'énergie fossile en 2030, c'est inscrit dans la loi. Réduire notre consommation énergétique finale de 50% à 2050, c'est écrit dans la loi. Et porter la part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation finale d'énergie en 2030 et à 40% de la production d'électricité, tandis que la part du nucléaire va baisser de 75% à 50% dans la production d'électricité. Ce texte majeur qui met dans la loi, dans le droit positif, les engagements, les INDC finalement. La France a déjà transcrit dans sa loi son INDC, sa contribution à la conférence climat, nous permet de rééquilibrer notre modèle énergétique sans opposer les énergies les unes aux autres. S'agissant plus particulièrement de l'éolien, je me suis attachée à créer un cadre propice qui permette à la filière de se développer pour atteindre nos objectifs énergétiques et pour créer des emplois.
Tout d'abord, un cadre stable qui sécurise les investissements. J'ai maintenu le tarif d'achat de l'électricité éolienne au moins jusqu'en 2018 pour les nouveaux projets, avant d'examiner l'opportunité de le faire évoluer vers le dispositif de complément de rémunération. J'ai réduit les délais de recours, notamment l'éolien offshore. J'ai renforcé les crédits export pour les énergies renouvelables. Deuxièmement, en ce qui concerne le cadre juridique et la simplification des procédures, depuis le 1er novembre, j'ai généralisé à toutes les régions de France le permis environnemental unique qui regroupe les autorisations relatives à l'installation d'éoliennes et d'unités de méthanisation en un seul permis délivré en 10 mois maximum. La loi de transition énergétique permet aussi l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales. Ça n'a pas été simple à régler sur le plan juridique, mais les communes littorales pourront accepter des éoliennes tout en préservant les enjeux environnementaux et paysagers. Troisièmement, j'ai fixé un cadre qui donne de la visibilité sur le rythme de développement et qui soutient l'innovation. La loi prévoit en effet la mise en place d'une programmation pluriannuelle de l'énergie et pour la première fois en France, l'ensemble des piliers de la politique énergétique, les énergies renouvelables, la sécurité d'approvisionnement, les questions concernant les réseaux, etc., et l'ensemble des énergies sont traitées dans une même stratégie. Elle fixe les objectifs quantitatifs pour le développement de toutes les filières d'énergie renouvelables. Triplement de l'objectif de puissance installée pour l'éolien et le photovoltaïque, développement des projets en cours dans l'éolien offshore, d'autres appels d'offres seront lancés, mais il faut au préalable renforcer la concertation sur les zonages et finir de tirer le retour d'expérience de la mise en œuvre des premiers parcs. J'ai publié vendredi dernier le calendrier des prochains appels d'offres. Quatrièmement, un cadre qui permet d'ancrer les projets dans les territoires. La loi de transition énergétique facilite l'investissement participatif et prévoit la possibilité pour les habitants d'un territoire de participer au capital et au financement de sociétés de projets pour les énergies renouvelables locales. J'ai vu, au cours des débats sur la loi, les difficultés d'acceptabilité des projets d'éoliennes. Vous le savez, puisque vous y êtes également confrontés. Je pense que la solution réside dans le développement de projets de territoire et d'associations des habitants aux décisions qui les concernent. C'est pour cela que j'ai lancé des appels à projets pour les territoires à énergie positive. La mobilisation est d'une ampleur sans précédent. Je pensais recevoir quelques dizaines de candidatures. Ce sont 500 collectivités en France qui se sont portées candidates pour participer à cette démarche. Depuis l'annonce des lauréats en février 2015, des premiers lauréats en février 2015, plusieurs centaines d'élus ont pu faire progresser la transition énergétique sur leur territoire et créer une véritable dynamique en s'appuyant sur le fonds de transition énergétique pour la croissance verte doté d'1,5 milliard d'euros que j'ai mis en place. 230 000 tonnes de CO2 ont été évitées, 66 millions d'euros d'aides de l'État ont déjà été engagés, 362 conventions d'appui financier aux collectivités ont été signées, soit 20 millions d'habitants concernés par ces territoires à énergie positive. La dynamique est donc lancée. Et c'est pourquoi je suis venue vous dire aujourd'hui trois choses. D'abord, c'est que la France est désormais engagée de manière irréversible dans une transition énergétique qui réconcilie l'économie et l'écologie, qui réconcilie l'électricité et le climat. Elle compte sur vous pour hâter le pas, pour apporter des réponses concrètes, efficaces aux défis que notre pays a décidé de relever. La France, l'Europe et au-delà tous les pays qui seront présents à la conférence de climat constituent des terres d'opportunités pour développer les énergies renouvelables et en particulier l'énergie éolienne, mais aussi une base arrière industrielle pour l'exportation, un solide tissu de compétences humaines que nous devons développer,
des compétences industrielles, scientifiques, financières pour accompagner vos projets de développement. En second lieu, je voudrais vous dire que l'Europe de l'énergie a besoin de vous. C'est avec vous, entrepreneurs de l'énergie éolienne, avec vous, acteurs de la croissance verte, avec vous, citoyens du monde, qui allez nous permettre, par votre implication, par votre imagination, par votre créativité, par vos compétences, par la façon dont vous pouvez aussi souder vos équipes dans vos entreprises pour qu'elles soient plus performantes et plus offensives. C'est grâce à vous, industriels, entreprises, que nous allons pouvoir remplir nos obligations humanitaires, nos obligations de civilisation, c'est-à-dire réussir à lutter contre le réchauffement climatique. Donc chaque salarié, chaque ouvrier dans votre entreprise, il faut leur dire d'ailleurs, est un acteur de cette mobilisation pour protéger la planète. Ça donne du sens aussi au travail de vos équipes qui sont dans vos ateliers, qui sont dans vos laboratoires, qui sont dans vos services commerciaux, qui sont dans vos services de recherche, qui sont dans vos services de commercialisation. Tous les métiers liés à l'industrie du renouvelable, et donc, puisque je m'adresse à vous, tous les métiers liés à l'activité de l'éolien sont des métiers profondément citoyens. Et je souhaite d'ailleurs que vous puissiez faire comme l'ont déjà fait certaines entreprises, que vous puissiez diffuser à vos salariés les questions du grand débat planétaire que nous avons lancé. Vous pouvez le retrouver sur le site du ministère. C'est un outil qui explique très simplement ce qu'est le réchauffement climatique. Il faut que vos salariés soient informés de ce qu'est le réchauffement climatique. Ils entendent échanger des concepts compliqués, la COP21, les INDC, les 2 degrés. Vos salariés qui sont en première ligne de la lutte contre le réchauffement climatique par leur métier ont le droit d'accéder à la connaissance, à la compréhension des mécanismes contre lesquels nous luttons. Et dans les entreprises qui ont lancé auprès de leurs salariés la diffusion de ce questionnaire qui a fait l'objet du débat mondial dans 70 pays du monde et qui ont rassemblé des milliers de partenaires et dont les résultats de cette consultation mondiale ont été diffusés à New York lors de la réunion des Nations Unies récemment, il est à vous, il est à votre disposition. Et donc diffusez-le et associez vos salariés aux réponses à ce questionnaire sur ce débat mondial. Car l'Europe de l'énergie, je le disais, a besoin de vous. Et c'est avec vous que nous la construirons également. Et enfin, bien évidemment, la conférence de Paris sur le climat a besoin de vous pour être non pas une fin, une fois que l'accord sera conclu, et nous l'espérons tous que cet accord sera conclu, qu'il sera aussi contraignant, qu'il sera accompagné des financements, qu'il sera accompagné des solutions également. Ce n'est pas une fin, la conférence de Paris sur le climat. C'est un moment d'accélération. C'est un commencement. C'est un commencement qui doit permettre non seulement la diffusion des technologies, et je pense à la mise à disposition aussi des pays les plus pauvres de la planète, qui ne demandent qu'à se développer à partir des énergies renouvelables. Mais dans ces pays pauvres, et en particulier les pays africains où le recours aux hydrocarbures est moins cher que le recours à l'énergie solaire, comment voulez-vous qu'ils y comprennent quelque chose? Comment voulez-vous qu'ils adhèrent à une dynamique mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique alors même que le soleil est au-dessus de leur tête et qu'ils ne peuvent pas avoir accès à des prix compétitifs à l'énergie solaire ou à l'énergie éolienne? Je me suis rendue récemment en Namibie. Dans le sud de la Namibie, il y a le spot de vent le plus fort d'Afrique et le plus stable d'Afrique. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore le développement de l'énergie éolienne dans ces pays? Et on pourrait en prendre plein d'exemples sur ce sujet-là. Et puis, bien évidemment, l'éolien offshore aussi, qui doit se développer, qui doit encore connaître des progrès technologiques. Vous savez que les grands parcs éoliens offshore sont en cours de construction en France à partir des appels à projets que j'ai lancés. Mais là aussi, toutes les énergies marines doivent permettre de donner aux États insulaires l'autonomie énergétique. Et donc, il y a aussi des partenariats à nouer entre les différentes énergies marines.
Je pense à l'énergie marine, comme le prototype AQO, par exemple, auprès des outre-mer français, que nous avons développé à partir de l'énergie marine de la mer. Mais il y a une articulation cherchée entre l'éolien marin et toutes les énergies marines. Ça aussi, ce sont des enjeux absolument majeurs. Et les États insulaires sont en attente criante d'avoir accès à ces énergies renouvelables, à ces technologies. Et par conséquent, la question non seulement de l'amélioration de la performance des énergies renouvelables et de l'éolien, mais également la question des solutions apportées sur les transferts de technologies pour que les pays qui subissent le plus durement le réchauffement climatique et qui sont le moins responsables de ce réchauffement climatique puissent se dire aussi qu'à la conférence de Paris sur le climat, eh bien, il y a un nouvel espoir qui s'est levé. Et voyez-vous, il y a aussi un lien très étroit entre la question du réchauffement climatique et la question de la sécurité. Parce que quand les pays basculent dans la sécheresse, quand les économies villageoises agricoles sont déstructurées, quand la famine fait rage, quand il y a des déplacements massifs de populations qui fuient l'avancée des déserts ou la disparition de l'eau, alors ce sont les sociétés qui sont déstabilisées et ce sont des jeunes qui s'engagent dans n'importe quoi pourvu qu'on puisse faire appel à eux pour leur faire miroiter je ne sais quel avenir meilleur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans un vrai combat, dans un combat majeur, dans le combat du siècle, dans un combat de civilisation. Et vous, qui êtes en première ligne de ces nouvelles technologies, des énergies renouvelables, et en particulier dans celles que vous portez aujourd'hui, eh bien, engagez-vous encore davantage. Et je sais que vous en avez envie, puisque vous êtes là, puisque c'est votre métier, que vous êtes là pour créer des activités, des emplois, pour faire des bénéfices. Ben oui, disons les choses telles qu'elles sont, et pour réinvestir aussi ces bénéfices, pour déployer vos activités, vos investissements, votre performance industrielle et votre performance énergétique. Bien évidemment, eh bien écoutez, battez-vous. On a besoin de vous, on a besoin de votre intelligence, on a besoin de votre ingénierie, on a besoin de vos solutions et je vous dis rendez-vous au début du mois de décembre à la conférence de Paris sur le climat dans l'espace des générations climat où j'espère nous aurons l'occasion et le plaisir de nous revoir. Je vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup, Ségolène Royal. J'ai le plaisir de vous présenter notre deuxième intervenant à cette conférence. L'énergie renouvelable est encore une industrie jeune. Nous avons des leaders et champions qui mènent le combat avec énergie et passion. L'un de ces leaders est le vice-président de la Commission européenne qui contribue à faire en sorte que l'Europe bénéficie d'une source d'énergie sûre, peu coûteuse et respectueuse de l'environnement. Il a derrière lui une carrière brillante de diplomate en Slovaquie. Il a notamment été ambassadeur. Il a été représentant permanent de l'Union européenne. Il a tenu des fonctions importantes à la Commission européenne. Aujourd'hui, il est commissaire de l'Union pour l'énergie. Il est également vice-président de la Commission européenne. Il est profondément engagé. Je peux vous l'assurer, je l'ai rencontré vendredi dernier. Il a une connaissance profonde de ce qu'il faut faire pour transformer le système énergétique. Souhaitons ensemble la bienvenue à Maroš Šefčovič. Bonjour, merci beaucoup, madame la ministre, chère Marie-Christine, Herr Staatssekretär Backe, Chairman Take, dear Markus, and of course, dear Gilles. Je pense avant tout aux victimes, à tous leurs proches.
L'Union européenne est à leur côté dans cette terrible épreuve. Au nom de la Commission et au nom du président Jean-Claude Juncker, je tiens à exprimer au peuple français notre plus totale solidarité et compassion et notre soutien complet au gouvernement de la République française. Parce que cette attaque abjecte n'est pas uniquement une attaque contre la France, c'est une attaque contre nos valeurs, contre tout ce qui nous unit. Seule réponse possible est fermeté et détermination, parce que ce sont nos valeurs qui sont attaquées, ce sont nos valeurs qui l'emporteront, la démocratie, la liberté, la dignité humaine, la légalité, l'état des droits, la justice et la solidarité. Aujourd'hui, en Slovaquie et en Tchéquie, nous marquons l'anniversaire de la révolution des velours. Ce que vous savez, c'est exactement il y a 26 ans, quand les peuples tchèques et slovaques se sont mobilisés pour lutter pour la démocratie, pour la liberté, pour la possibilité de joindre l'Europe. Et comme le montrent courageusement les Français, nous ne laisserons pas ébranler par la barbarie et le terrorisme, et nous allons continuer à travailler pour le futur. Et la transition énergétique, c'est une question du futur. La transition énergétique reste une action commune, globale, nécessaire pour combattre aussi l'insécurité politique. Avec une politique urbaine active, que je vis à l'occasion de découvrir près de récemment dans beaucoup de villes de l'Europe, et spécialement ici à Paris, avec un rôle clé dans la mise en œuvre de la loi de transition énergétique, la France étant l'un des seuls pays à s'être doté d'un programme ambitieux à long terme de décarbonisation et efficacité énergétique. Et Paris, enfin, qui accueillera le COP21 d'ici deux semaines avec le défi sans précédent d'amener tous les pays du monde autour de la table de négociation pour un accord contraignant et ambitieux et à long terme. Voilà pourquoi il était important d'être ici aujourd'hui. Et merci beaucoup à tous et à tous, à toutes et à tous pour d'être venus. Et merci beaucoup à EVA pour organiser cet événement. Dear Gilles, cet événement est aussi extrêmement important pour notre association. Vous venez de présenter le rapport annuel et je voudrais souligner quelques éléments qui ressortent de ce rapport. Vous représentez 600 membres des 50 pays et je suis heureux que, en dépit de ces événements tragiques et de l'horreur que nous avons vécue le week-end dernier, nous soyons tous ici aujourd'hui pour faire avancer notre travail pour l'union énergétique et pour la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent déjà une part importante de l'énergie. La plupart des investissements en énergie va au renouvelable. Et en 2020, l'énergie éolienne a représenté 28% et l'énergie éolienne 10% de la demande énergétique européenne. En 2020, la projection est de 40%. Donc je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être fiers de ce que nous avons accompli. Mais la question est-ce suffisant? Et la réponse est non. Il faut faire plus, et je dirais beaucoup plus. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière, et je l'ai noté que seul un petit nombre de pays ont adopté des plans nationaux à long terme au-delà de 2020. Et je félicite le gouvernement français qui est l'un de ces pays. Nous avons besoin d'être plus de pays et nous devons encourager les pays à prendre des approches plus globales et à se fixer des objectifs ambitieux pour le post-2020. Le système de gouvernance que nous mettons en place assurera une méthodologie commune et claire pour les plans, de façon à pouvoir assurer que nous sommes véritablement sur la bonne piste, le bon chemin. La directive pour les renouvelables apportera la certitude juridique que nous
nous avons des efforts collectifs et nous le soutiendrons à travers toutes les actions que nous avons prévues pour l'année prochaine, notamment la conception du nouveau marché énergétique que nous voulons présenter à l'automne prochain. Et il y a aussi la question de comment mieux intégrer l'énergie renouvelable dans nos réseaux européens. Et si vous regardez les sources possibles d'énergie renouvelable à long terme, il est très clair que le rôle de l'éolien est stratégique. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous devons régler le problème du coût. Si quelqu'un vous dit que les renouvelables sont chers, je crois que aussi aujourd'hui, nous en avons entendu la preuve. Les énergies offshore éoliennes sont les moins chères par rapport au charbon. Il y a en plus le prix du carbone qui fait que l'énergie éolienne est non seulement propre, mais en plus économique si le cadre est bien conçu. La part de l'énergie éolienne dans le renouvelable est en croissance. Et troisièmement, et plus important, nous devons toujours parler du potentiel. Mesdames et messieurs, il y a un potentiel considérable, en particulier pour l'énergie éolienne offshore. Exemple, la grille des mers du Nord offshore dont nous avons parlé avec Marie-Christine, nous avons parlé avec représentants de l'Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et bien sûr des pays nordiques. Nous pensons que ce projet sera vraiment annoncera une nouvelle vague d'énergie propre dans le réseau européen. Et je crois que c'est un exemple classique de coopération transfrontière qui profite à tous. Et dans l'introduction, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction avec dans mes discussions avec mes partenaires. Aussi, je suis très intéressée de voir, c'est vrai que la coopération offshore est souvent entravée par les différentes normes en matière de sécurité. Il y a des normes chez les différents pays membres. Il y a les problèmes de navigation sur les éoliennes. Et il y a le problème de coût du fonctionnement, parce que bien que nous soyons dans l'Union européenne, nous sommes souvent encadrés par des législations très différentes. Mais je crois que tout cela peut être surmonté. Je sais que la présidence néerlandaise met beaucoup d'énergie dans ce projet. J'ai déjà présenté à plusieurs occasions. Je crois que ce projet de réseau offshore des mers du Nord peut employer des techniques dans d'autres parties d'Europe. Il y aura un groupe à haut niveau qui va s'intéresser à toutes ces questions encore irrésolues. Il y a l'importance de la régularité de nos rencontres, de façon à pouvoir trouver une approche commune pour nous assurer que ce projet voit le jour et nous présenterons ces contributions très importantes pour la fourniture d'énergie propre à l'Europe. Vous le savez, très souvent, tous ces exemples que j'ai évoqués, tout cela prouve que l'un des principaux obstacles à l'investissement dans ce domaine est l'instabilité réglementaire. Et ça, c'est un argument qui revient toujours, dans toutes les réunions que j'ai eues dans mon tour de l'énergie, de l'Europe énergétique. Je crois que nous devons prendre conscience que les investissements ne se feront pas si nous, les décideurs politiques, n'envoyons pas un message réglementaire clair, stabilité. Nous savons tous que l'investissement est extrêmement nécessaire. Le besoin d'investissement est de 500 à 600 milliards d'euros entre 2015 et 2030 dans le secteur électrique seul, à lui seul. Autre instrument très important d'encouragement des
technologies innovantes et notre politique de recherche et d'innovation. Le président Juncker l'a dit très clairement, nous devons demeurer leaders dans le domaine des renouvelables. Et je crois que nous avons les compétences excellentes. Et je suis très impressionnée par ce que je vois dans les laboratoires et même dans notre réseau de PME, dans nos entreprises, à quel point ils investissent dans ces technologies de l'avenir. Les esprits brillants qui travaillent en Europe. Nous devons canaliser et le service financier pour nous assurer que ce domaine clé recevra, bénéficiera de tous cette intelligence pour aller plus vite que les autres pays du monde. Je crois que les objectifs que nous nous sommes fixés dans le plan stratégique pour l'électricité n'est que le début de quelque chose de plus grand. Et c'est la nouvelle stratégie pour la recherche intégrée que nous voulons adopter à la même période l'année prochaine. Cela soutiendra les efforts de l'industrie pour poursuivre le développement des renouvelables et lutter contre le changement climatique. Madame Royal vient de partir, mais je voudrais la remercier pour le dîner d'hier dans lequel nous avons pu échanger nos idées avec le secrétaire du département d'énergie des États-Unis, professeur Monitz, et aussi le ministère de l'énergie d'Australie, du Canada et du Mexique. Et je dois dire que l'essentiel du débat portait sur l'innovation. C'est parce que le secrétaire d'État Monitz voudrait présenter son document Revolution Now ce matin à la réunion ministérielle de l'Agence internationale de l'énergie. Et comme les ministres sont autour de la table, nous avons besoin de quelqu'un qui croit profondément aux nouvelles technologies. Et ça permettra d'augmenter la part des renouvelables dans les réseaux. Maintenant, si vous me permettez, je voudrais revenir au rapport annuel de l'EWEA parce qu'il va tout à fait de pair avec cette ambition d'innovation. Le nom de ce rapport est intitulé « Aiming High, viser haut ». On entend souvent des excuses. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Mais je crois que l'Europe n'est pas devenu le pays le plus ambitieux en termes de climat, en se défilant devant les défis. Bien au contraire, nous sommes là pour faire face à ces défis. Et par conséquent, ces objectifs qui sont présentés également par le WEA sont très ambitieux. Mais je crois qu'il mérite une grande attention. Je vous attire votre attention sur la méthodologie, les différents scénarios et les chiffres que vous présentez pour le scénario le plus ambitieux sont impressionnants. Porter la part de 28 à 32% dans le total de l'énergie, plus de 111 millions de tonnes d'émissions de CO2 évitées, de façon à ce que nous ne soyons pas obligés de dire à la génération suivante qu'ils n'ont qu'à se débrouiller avec le résultat. Le maire de Ljubljana a cette belle expression de solidarité intergénérationnelle. Nous devons prendre les responsabilités maintenant pour nos enfants. La création d'une addition supplémentaire de 30 milliards d'euros à notre PIB européen dans l'industrie éolienne seule. Tout ça, ce sont des chiffres très impressionnants. Et cela m'appelle à la dernière chose que je voulais dire. J'ai commencé en disant qu'aujourd'hui, c'est une grande journée pour l'industrie éolienne européenne. Mais demain sera aussi une journée très importante pour l'Union énergétique parce que je vais présenter le premier discours de l'Union énergétique annuelle. Et j'espère que je veux que cela devienne une manifestation régulière. Je voudrais que chaque automne, les responsables, les décideurs politiques énergétiques,
énergétique, les citoyens européens consacrent un peu d'attention à discuter de la transition énergétique, de l'union énergétique, de nous assurer que pas seulement les ministres de l'énergie, mais les ministres de l'environnement, les ministres du transport, tous les ministres qui sont responsables de la recherche et de l'innovation se concentrent sur le progrès que nous accomplissons et ce que nous devons encore faire. En décembre, les leaders européens, dans la réunion régulière des États, des chefs d'État et du gouvernement et de l'Union européenne, se concentre aussi sur ce que nous devons faire sur ce domaine très important de l'énergie et du changement climatique. Demain, il y aura la parution du premier rapport, mais je suis sûre qu'il y en aura beaucoup après. Et ce sera une base qui servira à mobiliser les États membres pour qu'ils travaillent avec nous à ces objectifs ambitieux en matière énergétique et de changement climatique. Et de nous montrer ce qu'ils veulent apporter à ce processus de transformation, ce qu'ils veulent faire pour l'union énergétique. C'est un travail considérable. Je dois dire que je ressens beaucoup de soutien pour l'union énergétique et je travaillerai très étroitement avec les États membres et les parlements européens et des associations aussi importantes que la vôtre. Et pour conclure, je voudrais remercier le WEA pour sa contribution considérable pour l'atteinte des objectifs énergétiques et climatiques, pour atteindre nos objectifs qui sont de demeurer les leaders mondiaux dans les énergies renouvelables et la création d'emplois. Je peux vous dire, en tant que vice-président de la Commission européenne, je suis fière de soutenir votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Maro Sefcovic. Il y a un pays qui est leader en énergie renouvelable. Je suis peut-être un petit peu biaisée en la matière, un peu partisan, mais je crois que les chiffres parlent en ce sens. Et il y a un capitaine de cette équipe gagnante qui est notre orateur suivant. Il a été élu pour la toute première fois en 1985 en tant que représentant du Parti des Verts. Il a une historique de service de la nation au plus haut niveau au gouvernement allemand. Il a été conseiller au gouvernement pour des fondations, etc. Sans aucun doute, c'est une des autorités en matière de changement climatique et en matière d'affaires énergétiques dans le monde. Sans aucun doute, c'est quelqu'un qui est un invité de marque. Il est secrétaire d'État pour l'énergie au ministère de l'économie et de l'énergie en République fédérale d'Allemagne. Je souhaite la bienvenue à Rainer Backe. Bonjour, chère Madame la Ministre, Madame Marghem, Monsieur Sefcovic, Messieurs, Dames. Avant de dire quoi que ce soit, je tiens à exprimer mon soutien pour les familles des victimes touchées si durement vendredi dernier. L'Allemagne est aux côtés de la France pour la lutte contre le terrorisme. Il est extrêmement important qu'on ne laisse pas les terroristes décider de nos activités. C'est pour cela que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Paris. Mesdames, Messieurs, en Allemagne, nous avons une planification à long terme. Dans les 35 années à venir, on aimerait bien quitter les sources nucléaires et de combustibles fossiles pour aller vers des renouvelables comme source énergétique. On espère pouvoir diminuer les gaz à émissions, les gaz à effet de serre, de 80 à 90 % dans un avenir
qu'on peut appeler le moyen terme, pour nos besoins de chauffage, faire la cuisine, pour tout, tout ce qui est électricité. Il s'agit d'abord d'efficacité énergétique, bien sûr. Ces kilowattheures qu'on ne pourra pas économiser en augmentant l'efficacité énergétique, il va falloir qu'on produise ces kilowattheures avec des sources renouvelables. Et l'utilisation directe de sources renouvelables pour la mobilité, pour le chauffage, c'est assez limité, ces possibilités. C'est pour cela qu'il faut agir au niveau des centrales qui produisent de l'électricité, des centrales ou autres installations. Et il y aura beaucoup plus de notre base installée qui va être constituée par les renouvelables à l'avenir. En Allemagne, vers l'an 2000, quand on a créé notre régime de soutien pour les renouvelables, EEG, à l'époque, on ne savait pas quelles étaient les technologies qui allaient faire leurs preuves à l'avenir. Donc, on a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Toutes les technologies, l'éolien, le solaire, etc., a bénéficié d'un tarif d'achat qui était un prix garanti, tout simplement, pour 20 ans, pour le réseau qui allait acheter à un prix stable. C'est l'électricité depuis ces sources-là. Maintenant, on est un peu plus intelligent. On a appris qu'il y a des technologies qui marchent mieux que d'autres. Et la géothermie, 0,1%. Notre électricité, on ne peut pas en faire grand-chose, en fait. Il y a d'autres technologies qu'on ne pouvait pas augmenter en importance, telles que l'hydraulique. Et en 2000, on avait 4% d'hydroélectricité. L'électricité, maintenant, c'est 4,1% seulement. Il y a une technologie qui a connu un essor important, c'est la biomasse. La biomasse. Mais maintenant, nous voyons que si on veut étendre la biomasse bien au-delà du niveau qu'on connaît actuellement, on aura des conflits importants avec les besoins alimentaires, de production alimentaire et nos besoins en matière de préservation de l'environnement. Donc, il y a deux grands gagnants, c'est l'éolien et le solaire, qui ressortent du lot, je dirais. Aussi, nous avons fait quelques erreurs qui nous ont coûté cher depuis 15 ans, notamment en solaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que en moins d'une décennie et demie, nous avons appris à faire l'électricité avec de nouvelles éoliennes et de nouvelles installations solaires au même niveau de coût que si on faisait des centrales au charbon ou au gaz en Allemagne à cette époque-ci. Donc, en Allemagne, maintenant, on peut produire avec les éoliennes pour 6 centimes par kilowattheure. Et la dernière fois qu'on a lancé un appel d'offres, le prix du solaire était de moins de 8,5 centimes d'euros par kilowattheure. Donc, on en a besoin de ce niveau-là quand on produit avec les centrales au charbon. Donc, c'est le même niveau de coût. Et ça va être une réussite pour nous, une success story en Allemagne. Ça ne dépend plus de la technologie. Nous avons les technologies. Elles sont au rendez-vous. Ce n'est même plus une question du coût par kilowattheure. Par les éoliennes par rapport au solaire, etc. C'est le même niveau de coût quasiment que les combustibles fossiles pour l'électricité. Mais il s'agit de savoir si nous allons pouvoir mettre en place un système électrique qui va pouvoir intégrer des chiffres croissants concernant les quantités d'électricité provenant du solaire et de l'éolien, parce que les coûts du système vont se répercuter dans les tarifs énergétiques, les tarifs de l'électricité. Et il faut que cela se passe d'une manière qui soit bonne pour l'écologie, mais aussi pour l'économie, parce que sinon, personne ne va emboîter le pas avec nous là-dessus. C'est pour cela qu'il nous faut comprendre que ces nouvelles technologies, l'éolien et le solaire, ces technologies ont des caractéristiques qui sont totalement différentes de celles des centrales classiques. D'abord, on ne produit pas l'électricité en fonction du prix du marché ou en fonction de la demande. On produit selon les aléas climatiques ou du temps qu'il fait. Aussi, ce sont des installations qui ont peu de coûts opérationnels, coûts d'exploitation, parce qu'il n'y a pas de combustible à payer. Le coût marginal est presque zéro, comme diraient les économistes. Et donc, on a l'intermittence aussi en troisième caractéristique. Et ces trois caractéristiques ensemble nous interpellent. Il va falloir qu'on réinvente notre système électrique. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement.
faut discuter des grands défis en la matière et créer un cadre propice pour favoriser cette transition énergétique qui est si chère à nous tous. Maintenant, il y a plusieurs choses à faire. Il nous faut intégrer les renouvelables, faire en sorte que les renouvelables soient prêtes à fonctionner avec le marché de l'électricité. Aussi, il faut que le marché de l'électricité puisse héberger, accueillir de plus en plus de solaire et d'éolien. Il y a donc une réforme fondamentale qui est nécessaire et c'est quelque chose qu'on a fait au niveau de notre régime électrique l'année dernière. Les tarifs d'achat ont été modifiés en conséquence de nos nouveaux besoins, mais maintenant que les renouvelables deviennent la source dominante dans notre système électrique cette année, il va falloir tenir compte du fait qu'il y aura 33% de renouvelables dans notre système électrique cette année. Et maintenant que les renouvelables assument plus d'importance, les producteurs d'électricité avec l'éolien ou les installations solaires vont devoir pouvoir commercialiser leur produit, qui est l'électricité. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Il y avait beaucoup de questions qui étaient posées l'année dernière quand on a amorcé cette réforme fondamentale. Bien sûr, ceux qui produisent l'électricité avec l'éolien et le solaire vont pouvoir commercialiser leurs produits. Et nous n'avons pas des tarifs d'achat décidés au niveau politique en Allemagne maintenant. Non, c'est une prime de marché qui existe. Et en 2016, nous allons graviter vers un système de concurrence ouverte avec des appels d'offres. Donc, ce sont des étapes qu'il faut parcourir pour faire en sorte que les renouvelables puissent être prêtes, ces sources, pour le marché électrique. La deuxième chose qu'il faut faire maintenant, c'est de faire en sorte que le marché de l'électricité puisse accueillir les renouvelables. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut aborder. D'abord, la souplesse nécessaire. Si on intègre les renouvelables avec un coût marginal près de zéro dans un marché qui connaît d'autres coûts marginaux, les autres capacités de production vont devoir s'ajuster à la demande, mais aussi s'adapter à des sources beaucoup plus compétitives avec un coût marginal à quasiment zéro, quand c'est l'éolien et le solaire. Donc, il faut plus de flexibilité dans ce marché. Flexibilité, j'entends, du côté des moyens classiques. Flexibilité aussi du côté des clients, du côté de la demande, donc, et aussi, bien sûr, flexibilité grâce au stockage. Et ce que nous faisons actuellement, c'est que nous créons un cadre stable avec ces trois options. La production flexible, la gestion de la demande et le stockage pour qu'on puisse laisser le marché trouver la solution la plus efficace, parce que ça sera parce que ces éléments seront en concurrence. Et après, il faut qu'on s'assure la sécurité de l'approvisionnement dans un contexte de marché. Il faut s'assurer suffisamment de capacité pendant les quelques heures de l'année où le vent ne souffle plus. Il n'y a pas trop de soleil, mais un pic de la demande, une pointe. Donc, il y a différentes possibilités d'aborder ces questions. Il y a des pays qui croient fermement qu'il nous faut un deuxième système, des subventions, un mécanisme de subvention pour la capacité qui pourrait être démarrée à volonté à ces moments-là. D'autres disent non, il faut s'assurer que le marché fonctionne bien. Si les signaux du marché arrivent jusqu'aux producteurs et jusqu'aux consommateurs, eh bien, le marché de l'électricité va fonctionner avec les principes du marché. Donc, on a fait un livre vert là-dessus. On a entamé un processus de consultation en Allemagne, non seulement avec notre population allemande, mais aussi avec nos voisins électriques, parce que l'Allemagne a une position très centrale, comme vous savez, en Europe. Nous avons 9 voisins avec lesquels on a une frontière physique. Avec la Suède, nous avons une liaison sous-marine. Avec la Norvège, ça sera le cas prochainement. Donc, on les appelle nos voisins électriques pour ces raisons-là. Et donc, on a entamé un processus de consultation qui a duré plus d'un an. Et je suis très content de dire que cette année, au mois de juin, nous avons pu signer un accord au niveau ministériel avec des représentants de ces 12 pays qui sont nos voisins électriques. Et on a tiré la conclusion qui était de dire qu'on voudrait compter sur le marché unique européen. Et on ne veut pas s'ingérer dans les mécanismes de prix de gros. Nous ne voulons pas
nous ingérer dans le commerce transfrontalier de l'électricité, même quand les moments sont durs. Donc, il nous faut plus de flexibilité dans ce marché de l'électricité au niveau européen. Il nous faut procéder à une nouvelle évaluation de la sécurité énergétique dans toute cette région qui nous concerne. Et donc, l'Union d'énergie parle de la coopération régionale et c'est fondamental. Et nous allons tous faire gagner de l'argent à nos clients parce que notre pointe de la demande en tant que 12 pays est beaucoup plus basse que la somme de nos pointes nationales. C'est pour cela que le système est robuste et efficace. Et il y a 2 semaines de cela, le Conseil des ministres en Allemagne a décidé de la mise en œuvre de ces décisions et ça va prendre la forme d'une nouvelle loi chez nous. Nous allons créer le marché électrique 2.0, comme on l'appelle en Allemagne, par acte de loi. Nous allons garantir qu'il n'y aura pas d'ingérence dans le mécanisme qui fixe les prix sur le marché de gros, pas d'ingérence dans le commerce transfrontalier, même en temps de pénurie. Et nous allons ménager plein de dispositions pour introduire plus de souplesse dans le marché électrique et pour qu'il y ait concurrence entre les différentes solutions. Et en même temps, il y a 2 semaines de cela, le Conseil des ministres en Allemagne a décidé de prendre 2,7 gigawatts, 13 % de notre capacité de ligne qui va être retirée donc du marché, Et on a des cibles au niveau du climat, au niveau national, moins 40 % pour 2020. Et si on ne retire pas le charbon brun, comme on dit, le lignite du marché, on ne va pas réaliser nos objectifs. Donc, nous avons décidé de cela. Et ça m'amène à parler du COP21. Et qu'en est-il du défi climatique? Eh bien, ce que nous sommes en train de négocier, et ce que nous allons négocier à Paris dans quelques jours, c'est une stratégie mondiale pour maintenir l'augmentation des températures, maintenir l'augmentation à un maximum de 2 degrés Celsius. Ça veut dire que comme tous les pays sur la planète, ont à peu près 1000 gigatonnes de CO2 qu'on peut encore émettre. Eh bien, si on continue au même niveau que l'émission actuelle, eh bien, ce budget de 1000 gigatonnes de CO2, ça va être utilisé en 25 ans, voire 30 ans. Et chaque tonne supplémentaire va augmenter la température sur la planète, au-delà de 2 degrés d'élévation. Maintenant, en même temps, nous avons des moyens, des ressources, des réserves au niveau de la planète de 15 000 gigatonnes de CO2, approximativement le lignite, le charbon, le pétrole et le gaz. Donc, le défi pour nous, c'est sur ces 15 000 gigatonnes de CO2, il faut laisser 14 000 sous la Terre. C'est ça que ça veut dire quand on parle de limiter l'augmentation de la température sur la planète Terre et maintenir l'élévation de température à 2 degrés. Mesdames, Messieurs, il ne s'agit pas d'autre chose que de ça, parce qu'il faut sauver la planète. Qu'est-ce qui va se passer si la température augmente de l'ordre de 3, voire 4, 5 degrés? Ben, les glaciers vont fondre. Le niveau des océans va s'élever. Il y aura de plus en plus de déserts. Il y aura vraiment un désastre climatique. La planète va s'adapter. Oui, mais nous, humains, nous ne pourrons pas nous adapter. On sera 8 à 10 milliards sur la planète à ce moment-là. On ne pourra pas nous adapter. Il ne s'agit pas de sauver la planète, en fait. Il s'agit de sauver les personnes qui y habitent. Et c'est de ça qu'il s'agit pour nous en Allemagne, comme pour tout le monde. Il s'agit de prouver que c'est possible, même pour des pays hautement industrialisés qui consomment 600 TWh au niveau annuel d'électricité, il est possible de fournir de l'électricité avec des sources renouvelables, avoir un système stable, robuste, fiable. Que c'est possible. Il faut apporter cette démonstration-là. Et on est là pour le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Barker. Maintenant, notre dernier invité est juriste de formation. Il a passé 20 ans en politique municipale et 11 ans
en tant que représentant, en tant que député, mais sa véritable passion concerne le changement politique. C'est quelqu'un qui s'est fait une réputation de défenseur de la planète. C'est Marie-Christine Margem, Madame la ministre belge de l'énergie. Madame Ségolène Royal nous ayant quittés, je la salue quand même parce que j'ai des relations suivies et très fraternelles avec elle, si je puis dire. Monsieur le secrétaire d'État BAC, Monsieur le président de l'EWEA, cher directeur, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Avant toute chose, je voudrais vous dire que c'est avec un sentiment de tristesse et de douleur que je suis présente aujourd'hui à Paris, ville meurtrie par les attentats de ce vendredi. Toutes mes pensées et celles de mes compatriotes vont aux familles endeuillées par ces événements tragiques. Nous devons lutter fermement, et nous voulons le faire aux côtés de la France, et plus particulièrement des Parisiens touchés par ces attentats atroces. Nous devons lutter fermement pour la liberté et le bonheur, ce à quoi aspire tout être humain. Et nous devons le faire contre les semeurs de destruction et de mort, contre ceux qui ne croient qu'au désespoir, pour atteindre un bonheur qu'il faudra nous expliquer. Il est horrible d'enlever la vie à un de ses semblables, et nous devons protéger cette valeur essentielle. C'est un engagement citoyen, tout aussi citoyen et profond que celui de la lutte contre le changement climatique, cela a été répété, et de nos recherches et de notre volonté à atteindre une véritable transition énergétique qui décarbonise notre société. Je remercie dès lors EWEA de me donner l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui devant vous. De manière un peu plus technique, selon EWEA, on estime que d'ici 2030, un quart de l'électricité en Europe sera produite par l'énergie éolienne, non seulement sur Terre, mais également en mer. C'est un chiffre impressionnant qui nous conduit à devoir relever des défis majeurs. La mer du Nord, l'énergie éolienne offshore et du North Sea Countries Offshore Grid Initiative, NSCOGI, sont des sujets qui reviennent fréquemment lors de différentes conférences, discours, communiqués. Et c'est à cette occasion que je croise Monsieur le vice-président de la Commission européenne, cher Maros, Monsieur Bach également, avec qui nous avons signé, il l'a dit, un document important, j'y reviendrai. Et nous avons l'occasion d'unir nos efforts, chaque fois que c'est possible, pour donner l'impulsion politique nécessaire à la transformation de notre société. Nous devons saisir cette opportunité et faire un pas en avant pour le développement de l'énergie renouvelable, notamment dans la région de la mer du Nord, grâce à la coopération régionale et pour l'intégration de ce potentiel formidable dans les réseaux existants, par le développement, entre autres, de solutions telles que l'interconnexion. C'est la raison pour laquelle je souhaite partager ici les derniers développements de l'initiative régionale NSCOGI et le chemin à suivre pour le futur. En décembre 2010, un MOU a été conclu par 10 pays. La Commission européenne, ESER, ENSOE et les autorités réglementaires nationales. Les 10 pays impliqués sont mon pays, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni. Tous ces pays poursuivent les objectifs principaux suivants, à savoir construire une économie à faible émission de carbone, maximaliser le potentiel de ressources d'énergie renouvelable de la mer du Nord
identifier et supprimer les barrières au développement du réseau offshore et faciliter un développement stratégique, coordonné et rentable de ces réseaux, aussi bien en mer du Nord que sur la Terre. Quel premier bilan pouvons-nous tirer de ce lancement en 2010? Premièrement, en ce qui concerne la configuration du réseau, de nombreuses études ont été faites, dont celle relative au réseau offshore en mer du Nord est la plus importante. Cette dernière montre notamment comment un réseau intégré devrait être idéalement agencé et identifie les moyens pour y parvenir. Il convient à présent, après les études, de maintenir le dialogue avec les représentants du groupe de travail ENSCOGI ou encore de la NTSOE afin de rendre possible le développement concret de ces projets. Deuxièmement, les études qui ont été réalisées et les tests qui ont été effectués ont permis d'identifier des besoins complémentaires, notamment en ce qui concerne les ressources, la classification, les investissements, la répartition des coûts, les mécanismes de coopération, les systèmes de subvention. Nous devons poursuivre ce travail réalisé sur toutes ces questions pour accroître et réaliser l'intégration complète de notre coopération régionale. En dernier lieu et troisièmement, certains permis font déjà l'objet d'une meilleure coordination, mais il y a encore beaucoup de travail, et Mme Royal en a parlé. Toutes les barrières administratives doivent tomber pour que l'ensemble des décisions relatives à cette matière se prennent dans un cadre international bien coordonné, et je compte sur M. le vice-président de la Commission européenne pour nous aider en ce sens. Quand nous avons lancé ENSCOGI en 2010, le but était de pouvoir définir un réseau offshore pour la mer du Nord qui puisse s'appuyer sur un système réglementaire et des autorisations bien définies. Construire ce réseau et le connecter au réseau onshore existant est, vous l'aurez compris, l'enjeu essentiel. Une telle interconnexion des réseaux permettra également d'assurer une contribution majeure en vue de la réalisation des objectifs 2020. Cependant, 2020, c'est déjà dans 5 ans, donc c'est demain. Et cela approche à très grands pas. Il convient donc de se fixer des objectifs clairs déjà à l'horizon 2030. Et pour ce faire, il est impératif de pouvoir dégager au niveau régional et dans chaque État membre une clarté à long terme, une vision, un cadre stable, ce qui est important pour nos entreprises. Il faut garantir la transparence de toutes les procédures. Il faut réduire autant que possible les risques régulatoires et assurer la cohérence de nos politiques. Il nous faut donc un nouvel engagement politique. J'ai donc pris l'initiative de lancer une proposition à l'attention de mes collègues ministres, membres de l'initiative ENSCOGI et du commissaire européen pour établir un nouveau plan de travail pour les 5 années à venir. L'objectif principal est d'accélérer le processus de déploiement d'un réseau offshore et des connexions onshore nécessaires. Je suis convaincue que ceci aidera à réaliser des objectifs plus ambitieux encore à l'horizon 2030. À la fin de cette semaine, je partagerai avec mes collègues et la Commission européenne les résultats de la dernière conférence ENSCOGI, ainsi qu'un nouveau parcours à suivre pour cette initiative. On peut envisager comme piste de réflexion par rapport à ce plan de travail et à la collaboration régionale au sein d'ENSCOGI différentes solutions. Des objectifs réalisables à l'horizon 2030, l'alignement de plans d'action nationaux afin d'atteindre ces objectifs, l'échange de bonnes pratiques sur des mesures de soutien ou des bénéfices pour les projets précurseurs, l'établissement et le soutien au fonctionnement d'un North Sea User Stakeholders Platform, l'acceptation et l'information des parties prenantes et la réduction des coûts ainsi que la répartition des technologies. Pour réussir ces chantiers, le soutien de la Commission européenne est essentiel. La Commission doit jouer et peut jouer un double rôle. Assurer une coordination forte en lien notamment avec les travaux relatifs aux projets d'intérêt commun et appuyer les projets par des fonds appropriés. Sous la présidence belge d'ENSCOGI, j'ai demandé au Conseil du programme de réfléchir déjà et d'œuvrer autour d'une proposition de plan de travail, de telle sorte que nous puissions faire approuver et ratifier par les ministres et la Commission européenne ce plan dans les meilleurs délais.
Afin de garantir un suivi efficace de ces initiatives, nous proposerons la création, M. Sefcovic l'a dit, d'un groupe de pilotage dénommé High Level Group. Et parallèlement à ces initiatives régionales, la Belgique reste un acteur européen important dans l'énergie éolienne offshore. Il y a donc aujourd'hui 182 turbines éoliennes dans la partie belge de la mer du Nord, avec une capacité actuelle de 712 MW. Elles produisent de l'énergie pour environ 800 000 ménages. En 2014, les parcs éoliens SeaPower, Bellwind et Northwind ont produit plus de 2,2 millions de mégawattheures d'électricité. En plus de ces trois parcs offshore, déjà opérationnels, cinq nouveaux parcs sont en cours de développement ou de construction et sont attendus d'ici 2020. Ce sont les projets Nobelwind, Norther, Seastar, Rentel, Mermaid et Northwester 2. Ils auront une capacité de 2200 MW qui produiront environ 7 700 000 MWh, soit 3 fois et demi plus qu'aujourd'hui, ce qui équivaut à 10% du besoin total en électricité en Belgique et environ 50% des besoins en électricité des ménages. Grâce à l'innovation, les éoliennes offshore sont rendues plus efficaces et délivrent 20% en plus d'énergie que sur Terre. En termes d'emploi, cela a été souligné, nous avons également un saut sur ce plan en Belgique parce qu'un parc moyen génère 100 emplois à temps plein pour la durée totale de son fonctionnement. Ce développement de l'énergie éolienne offshore constitue dès lors un moteur économique certain dans les régions au sein desquelles elle se développe. Et je ne saurais trop souligner les propos tenus tout à l'heure par ma collègue Mme Ségolène Royal. Il n'est pas normal que dans le monde, à des endroits où on peut profiter de ces technologies qui donneraient l'accès à l'énergie électrique qui est un besoin de base, à des populations qui en ont vraiment besoin, il n'est pas normal que nous ne puissions pas développer dans des conditions économiques intéressantes toutes les technologies que nous développons aujourd'hui dans nos pays industrialisés. Pour permettre donc l'intégration de cette énergie éolienne offshore dans le marché, il importe de travailler également à l'augmentation des outils de flexibilité, M. Bach l'a bien rappelé, pour le réseau et aussi pour l'interconnexion. Pour ce qui relève des solutions de flexibilité, les solutions de stockage de type batterie sont essentielles et en plein développement, et elles permettront de stocker cette énergie renouvelable afin de pallier aux besoins de flexibilité du réseau et de garantir la sécurité d'approvisionnement. Un réseau énergétique interconnecté est également essentiel pour la sécurité d'approvisionnement et pour garantir l'équilibre des réseaux, puisqu'il permet de fédérer d'importants moyens de production et de parer aux faiblesses momentanées ou structurelles d'un pays en lui apportant l'énergie qui lui fait défaut. Pour ce qui relève des interconnexions et à titre d'exemple, je m'en voudrais de ne pas citer l'interconnexion Nemo entre la Belgique et le Royaume-Uni, qui aura une capacité de 1000 MW, ou bien encore celle qui est projetée avec l'Allemagne, Allegro, pour une même puissance. Le développement d'un réseau d'énergie interconnecté européen contribuera notamment à l'achèvement du principal objectif de l'Union européenne de l'énergie, qui est d'assurer une énergie abordable, fiable, durable, dans l'intérêt des consommateurs finaux et des clients industriels, pour garantir à tous et surtout à nos entreprises une compétitivité. Avant de terminer, je voudrais vous dire, Monsieur le Vice-président, que je me réjouis de votre premier rapport annuel sur l'état de l'Union européenne de l'énergie. Je voudrais également remercier EWEA pour le soutien, non seulement à l'industrie éolienne, mais également à Enskogi, ainsi qu'à d'autres projets innovants. Au moment où la COP21 se prépare, un tel soutien est capital pour le développement de l'énergie de demain et la détermination de notre société énergétique, de notre mix énergétique du futur. À cet égard, et cela ne vous étonnera pas, c'est un petit clin d'œil, j'apporte mon soutien à la candidature de Bruxelles pour organiser le prochain congrès EWEA en 2017. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Christine Marguem. Maintenant, nous
Nous allons inviter Giles Dixon à nous parler. Il a beaucoup d'années de leadership déjà derrière lui. Et maintenant, il est chez nous à l'EVR. Il était dans l'industrie, dans des postes gouvernementaux et de responsabilité. Et maintenant, on est ravis qu'il ait rejoint l'équipe de l'EVR. Et on est très impressionnés par sa capacité de s'adapter pendant les quelques premiers jours de sa prise de poste, surtout à des moments si difficiles. Donc, on accueille Giles Dixon, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, this event. Mesdames, Messieurs, cette manifestation ne serait pas possible sans le soutien de nos ambassadeurs. La manifestation en accueille Antoine Cahuzac, qui vient d'EDF Énergie Nouvelle, et Jérôme Pécresse, qui est présent aussi et qui est le président de GE Renewable Energy. Messieurs, nous avons entendu Ségolène Royal parler ce matin des INDC, les commitments, donc les engagements par rapport au climat donnés par les pays qui vont se rencontrer à Paris dans moins de 15 jours. Donc, il y a des pays en dehors de l'Union européenne qui comptent aussi sur l'éolien et on y compte beaucoup aussi en Europe. Et vous êtes fabricant mondial, vous avez une portée mondiale. Quelles sont vos opportunités pour l'éolien dans les pays en dehors de l'Union européenne? Eh bien, comme vous savez, nous avons tous des objectifs au niveau national en Europe, mais au-delà de cela, il nous faut une cible générale pour tout le monde en Europe. Et aussi, nous espérons pouvoir nouer un accord lors de la conférence COP21. Si on arrive à mettre en place aussi des mécanismes financiers qui nous permettront de profiter des financements publics dans les pays où tout est plus développé pour nous permettre d'avoir un tremplin vers les pays avec moins de financement possible, eh bien, on a bon espoir de pouvoir déployer l'éolien en dehors de l'Europe aussi. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut marcher dans beaucoup, beaucoup de pays du monde entier et nous sommes partants pour cette aventure avec tous. Il faut qu'on fasse des améliorations encore au niveau du coût, mais c'est déjà compétitif. Il faut qu'on améliore encore la technologie, améliorer les logiciels, la flexibilité par rapport au système électrique, au réseau. Il y a encore des défis à relever à terre comme en mer pour l'éolien. Oui, Antoine, les coûts de l'éolien, ça a baissé de 25% depuis 5 ans, mais il faut que ça baisse encore plus. La compétitivité du secteur va compter beaucoup sur la recherche et l'innovation qui a lieu actuellement. Quels seront les fruits qu'on pourrait récolter de la recherche et l'innovation opérée actuellement? Eh bien, c'est une question très intéressante. Je pourrais mentionner beaucoup de domaines différents où la recherche et le développement technologique pourraient améliorer la pénétration de l'éolien dans le monde, mais je vais reprendre quelques éléments seulement. Dans les pays développés au moins, mais aussi dans les pays émergents, il y a beaucoup de zones, je dirais, fermées, enclavées, où vous avez du vent, vous avez peut-être des bonnes possibilités de connexion, de raccordement, mais pas loin, vous avez des radars pour l'aviation civile ou pour des raisons météorologiques. Et les éoliennes peuvent difficilement se mettre en conformité avec les radar, mais on travaille pour résoudre ce problème. On y travaille actuellement en France pour résoudre ce problème technologique. Les parcs éoliennes doivent être compatibles avec ces radars et on y travaille pour faire en sorte que les radars fonctionnent bien, même quand il y a des éoliennes à proximité. Dans les pays développés, les zones les plus venteuses sont déjà équipées en général. Et si on veut augmenter la part de l'éolien dans le mix énergétique, il faut profiter des vents qui soufflent un peu moins fort, je dirais. Et donc, il faut avoir des éoliennes qui fonctionnent bien
avec des vents moins forts que ce qu'on a eu dans le passé quand on a conçu nos éoliennes en fonction de vents relativement forts, en fait. Donc, il nous faut aussi essayer d'étudier des possibilités d'installation de parcs éoliennes dans des zones où il y aura plus de visibilité au niveau réglementaire, etc., pendant plus longtemps. Donc, ça va aussi nous aider à faire pénétrer l'éolien beaucoup plus dans le mix énergétique. Aussi, il nous faut allonger la durée de vie des éoliennes. Parce que si on remonte à quelques années en arrière, bon, les éoliennes étaient faites pour 15-20 ans de durée de vie. Maintenant, la plupart des industriels font des business plans qui vont au-delà de 20-25 ans à cause de la qualité des nouvelles éoliennes, aussi à cause des améliorations effectuées dans l'exploitation et la maintenance des éoliennes. Aussi, le numérique, la révolution numérique nous aide parce qu'il y a de plus en plus de technologies dans les éoliennes, technologies numériques aussi. Et donc, ça nous aide à aller dans le bon sens, je dirais. Oui, j'ai une question maintenant pour vous deux, en fait. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a fixé très clairement des objectifs pour l'Europe. Il veut que l'Europe reste leader en renouvelables. Mais en même temps, on assiste au développement de ce secteur dans des pays émergents aussi. Que doit faire l'Europe pour consolider son avancée en la matière? Parce que l'Europe est la plateforme pour ce secteur pour l'instant, vraiment la plaque tournante, je dirais. Oui, ben, je crois que certains orateurs précédents ont déjà parlé de cela. Si on avait un prix minimum pour le carbone, ça pourrait nous aider en tant qu'Europe parce qu'on est une grande plaque tournante pour l'éolien, mais pour d'autres renouvelables aussi. Oui, ça, c'est une chose aussi. Il faut avoir des cibles européennes en matière d'avancer. Il faut que chaque pays individuellement gravite vers cette cible générale aussi. Il faut que ça ait un sens collectif aussi pour tout le monde. Je sais que Monsieur Sefcovic y travaille. Et si on prend le cas de l'éolien en pleine mer, nous devons exporter des éoliennes offshore en dehors de l'Europe, mais aussi augmenter la part de marché de l'éolien offshore en Europe. Il faut harmoniser les pratiques autour de la mer du Nord. Vous avez des normes de sécurité qui sont différentes dans les différents pays. Donc, il nous faut plus d'harmonisation, je dirais, surtout pour l'éolien en mer en Europe. Et on pourrait profiter de plus d'interconnexions entre nos pays, je dirais aussi, parce qu'on sait tous que l'une des caractéristiques du vent, c'est que ça varie, ça fluctue. Et une façon de s'atteler aux problèmes qui sont les nôtres par rapport au système d'électricité ou par rapport au réseau, c'est d'avoir plus d'interconnexions entre les différents pays. Et ce serait peu probable qu'aucun vent ne souffle dans tous les pays et en même temps. Donc voilà, il faut plus d'interconnexions pour surmonter ces problèmes de fluctuation d'intermittence pour que chaque pays donc favorise une part de l'éolien plus élevé dans chaque pays. Et il faut que l'innovation se fasse surtout dans les pays qui ont des objectifs énergétiques les plus ambitieux. Mais la réussite des renouvelables et de l'éolien, tout va dépendre des ambitions fixées au niveau national à chaque fois. On a parlé de la nouvelle loi en matière de transition énergétique en France, et Ségolène Royal en a parlé, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les industriels? Pour nous, c'est fondamental. Pour notre groupe EDF, pour les renouvelables et les énergies nouvelles, au sein d'EDF, chez EDF, nous avons récemment lancé une nouvelle stratégie qui s'appelle CAP 2030. Et nous voulons nous concentrer sur l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité d'ici 2030 et développer la part de ces sources énergétiques chez nous. Maintenant, le gouvernement a fixé le cap aussi et c'est notre objectif à nous tous. C'est quelque chose qui est fondamental. La visibilité est importante. Processus, procédures simplifiées.
et aussi un objectif clair pour la France, et nous allons assumer notre part en tant que DEF de cette cible parce que c'est complètement conformité avec notre stratégie en tant qu'entreprise de passer de 28 gigawatts de capacité de renouvelables actuellement à plus de 50 d'ici 2030. Donc, le nouveau cadre juridique adopté en France récemment nous aide à aller vers ce niveau-là. Merci, Jérôme. GE est très actif dans l'éolien, mais dans beaucoup de secteurs d'industrie, en fait. C'est une grande entreprise, General Electric. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques qu'on peut apprendre par ailleurs. Par exemple, dans le monde du numérique, il y a beaucoup de choses à apprendre. En tant que GE, est-ce que vous y voyez des synergies, du potentiel? Oui, ces nouvelles frontières de développement et d'innovation pour l'éolien, le numérique. Maintenant, on est compétitif au niveau coût, on est concurrentiel presque partout dans le monde avec l'éolien au niveau prix, mais il faut quand même qu'on tire ce coût quand même encore vers le bas par le numérique, par le matériel ainsi que le logiciel, bien sûr. Et dans les décennies à venir, il s'agira beaucoup de logiciels, du digital, du numérique. GE investit beaucoup, comme vous savez. Il nous faut profiter de notre échelle mondiale. On est beaucoup dans l'aéronautique aussi. Donc, on a des logiciels actuellement qui nous permettront de faire du contrôle à distance, des éoliennes. Mais aussi, dans un deuxième temps, nous allons passer des éoliennes numériques au parc d'éoliennes numériques. Donc, on va pouvoir gérer avec les moyens numériques nos parcs d'éoliennes, la disposition de ces parcs, mais aussi minute par minute, connaître le fonctionnement de nos éoliennes et de nos parcs et savoir améliorer la performance. Et troisième étape, ce sera de mieux travailler sur les logiciels pour intégrer mieux dans le réseau électrique la production éolienne. Nous y travaillons avec notre plateforme et je pense qu'on aura plus de performance avec les éoliennes actuelles grâce au logiciel amélioré à l'avenir. Merci. Maintenant, vous êtes ambassadeur de notre manifestation. Vous nous avez beaucoup aidé à préparer cette manifestation. Nous avons formulé des messages dans cette brochure et Minghai dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a parlé des avantages économiques qui seront à récolter si on réalise cette ambition. Mais au niveau économique large, si on est ambitieux pour l'éolien, qu'est-ce que ça va donner comme fruit économique? Je crois que ça sera des emplois. Je suis contente d'être avec Antoine parce qu'on est partenaire déjà au niveau français et nous allons commencer à construire un projet dans quelques années ensemble. On a déjà créé pas mal d'emplois, des centaines d'emplois. Ici en France, l'objectif, c'est 1000 emplois et même au-delà. Donc, il s'agit de créer des emplois dans un segment de l'économie qui connaît une bonne croissance. Oui, pour la construction, bien sûr, des parcs éoliennes, mais aussi pour l'exploitation et la maintenance, une fois que c'est construit et installé. Je crois que on augmente nos effectifs de 10% bon an, mal an. Et c'est surtout l'exploitation, la maintenance qui nécessite la présence de nouveaux salariés. On a presque 14 gigawatts dans le monde entier. Ça crée beaucoup de nouveaux emplois. Aussi, autre chose, c'est que, deuxièmement, c'est plus à long terme, je dirais, plus d'éolien, ça fera que la vie sera plus facile sur la planète Terre. Et il y a un rôle de pédagogie là à jouer, je pense, aussi pour nos hôtes industriels. Il faut expliquer aux riverains qui habitent à proximité des éoliennes, qui les voient tous les jours, mais qui ne voient pas forcément le fait que ça fait beaucoup de bonnes choses pour contrer les problèmes du changement climatique. Donc, il faut faire ce travail de pédagogie auprès des riverains. Et l'avantage de plus d'éolien, c'est clair, mais ça va coûter moins cher aussi. Ça va être une source énergétique relativement abordable à l'avenir pour tous. Et le vent, c'est quand même une solution économique pour produire de l'énergie. On est près du prix du marché qu'on a actuellement en Europe, dans d'autres pays du monde, déjà actuellement. Donc, l'éolien est déjà compétitif dans pas mal d'endroits, dans pas mal de pays. Donc, ça va être une source abordable d'énergie sans émission de CO2. Donc, il y a plein d'avantages.
Et puis, ça évite d'importer des combustibles fossiles. Il y a des pays entiers qui n'ont pas accès à des sources énergétiques dans la situation actuelle. Donc, c'est on prêche au convaincu, je pense, ici. Hein. Oui, je pense que c'est important de parler des 13 milliards de bénéfices nets pour l'économie européenne, 61 000 emplois nouveaux à créer grâce aux 28 % qu'on vise, aiming high. C'est bon de mettre des chiffres dessus. Donc, je pense qu'on pourra continuer ces conversations peut-être plus tard. Et je crois que maintenant, on va peut-être abréger pour l'instant. On va peut-être en parler en aparté, mais tout le monde va aller prendre un café. On remercie nos deux panélistes. Merci beaucoup, monsieur. Thank you, gentlemen. Thank you very much. If your wind farm could talk, what would it say? Would it tell you it's feeling good, productive? Or that it's feeling tired or needs some backup? If your wind farm could talk, would it warn you of potential problems before they actually happen and help you discover new ways to turn wind into opportunity? Wind farms have a lot to say, and now you can listen. The future of wind farm technology is coming. Are you ready for it?